Bonjour, merci, ça va? Vous êtes française? Non, je suis américaine, nous sommes américains. Mais je parle un petit peu. Vous participez pour la première fois? Oui, pour la première fois. Qu'est-ce que vous pensez de la compétition, du rallye? Oh, c'est très bon. Nous sommes très excités et très heureux d'être ici. Parce que... C'est la première fois que vous êtes au Maroc? Non, pour moi, pour elle, non. I've come once, I don't speak French. Comment vous avez trouvé le Maroc? I came one time when I was 21, many years ago. And how do you find it now? Oh, I love it. It's so beautiful. Elle l'aime. Beaucoup. J'aime. Et vous, comment vous avez trouvé le Maroc? Oui, c'est très très beau et les gens qui sont très hospitaliers. Hospitaliers. Oui. Et les cuisines? Oh. Bon journal. Oh, merci. Site électronique. Bien, les salades de destination, elles vont jusqu'à où là? C'est un début pile. Un bon début. On peut pousser. Ah ouais, c'est hyper entrecoupé là en bas. On pousse. Allez, on a le droit. Non. Arrête de creuser. Arrête de chauffer. Est-ce qu'on a le droit de pousser? On peut vous aider. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui sont en sable et il y en a qui prennent de la flotte. Voilà, ça commence bien. Pour les gars. هذا على البحر بغا يوصل للصحراء ما شي يديروا Lorsque vous tombez en panne, est-ce que vous faites appel à des femmes ou à des hommes? À des hommes. Et vous, on n'est pas des hommes ou des aussi. Ah, si c'est féminin, même le dépannage doit être féminin. Normalement, oui, pas hein, on pas. Il n'y a que des femmes. On a des bases. C'est vous qui avez dépanné là-bas, c'est vous? Oui. Donc un monsieur, pas une dame. Moi, c'est Lisanne, du Canada, du Canada. Québec. Merci. Mireille, du Québec. Merci. Madone, du Québec. Québec. Bianca, du Nord, du Québec. J'ai rien. Et vous? Sophie, du Québec. André, du Québec. Vous trouvez des difficultés aujourd'hui pour le départ, non? Non. Non. C'est une bonne pratique, là, pour la montée, surtout. Là. Alors, la prochaine tournée, c'est où? Demain, on part pour Airfood. Après? Puis mercredi, on part de Airfood à ce moment-là. Ça va commencer avec le prologue. Merci bien, les gazelles. Merci. Et on est vraiment contents d'être ici. Voilà, ça fait le plaisir. C'est bien. Donc. C'est une bonne chose. Pourquoi, je change de sujet, pourquoi avez-vous choisi le métier de gynécologue? Pas autre.
C'est une très longue histoire. Pardon. Et vous ne regrettez pas cette spécialité, donc elle est bonne. Et oui, en fait, moi je voulais travailler en médecine de campagne. Mais je savais que celui que j'épousais n'irait jamais en campagne. Alors je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus intéressant qu'on puisse faire en ville. Et j'ai fait gynécologue, obstétricienne, échographie, médecine du fœtus, et tout ça. Donc maintenant, vous aimez bien votre métier. Ah mais j'adore mon métier. Ça, j'ai aucun doute. Aucun doute. J'aime mon métier, j'aime la rencontre avec les femmes, parce que c'est une rencontre tous les jours avec des femmes. Oui, gynécologue, c'est pour les femmes, j'ai oublié celui. Et les hommes, c'est andrologue. Andrologue. Voilà. Donc nous, c'est pour les femmes et les enfants, puisqu'on soigne toutes les deux, on a un peu la même discipline, qui est la médecine du fœtus, du bébé, in utero. Donc on traite, voilà, on traite par exemple un bébé qui est en anémie, grave in utero, on peut traiter ce bébé. Et comment un bébé dans le ventre de sa mère? Oui, dans le ventre de vous sa le mère. Traitez. On le traite, on fait une transfusion in utero. Oh là là. Voilà, c'est ça notre spécialité. C'est génial. Et oui, et on sauve des bébés. Le bébé peut entendre la musique dans le ventre de sa mère. Oui, bien sûr. C'est vrai. Les récepteurs de l'audition. Il reçoit. Ouais. Oui, il peut entendre à partir de 5-6 mois, il peut commencer à entendre des musiques. Et si on l'a habitué à une musique dans le ventre de sa maman, c'est la musique qu'il va aimer à la naissance, qui va le calmer. Tout à fait, c'est vrai. Hein. Il reconnaît le son de la voix de son papa et de sa maman. Oui, oui, c'est vrai. Merci bien, vous êtes formidable, nom de gazelle. Ah, les gazelles. Ah, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Oh ma taille. Je vous crois pas. Quand même. C'est très joli. C'est rallye des gazelles. Rallye des gazelles. Ça vous a pris combien de temps pour faire cette coiffure? 1h20. 1h20. Oui. C'est votre coiffeur qui l'a fait? Oui. Merci bien, vous êtes française? Non, québécoise. Québécoise. Et vous parlez bien. Ah, on s'adapte. On ne parle pas toute mal. Vous parlez très très bien. Alors, pourquoi cette aventure 100% féminine? Il n'y a que des femmes. Pourquoi? Parce qu'un homme ne serait pas capable de passer au travers. Comment? Un homme ne serait pas capable de passer au travers, ça? Non, je ne pense c'est pas. C'est sûr et certain. Mais c'est un beau dépassement de soi, vraiment. Là. C'est une belle aventure, la solidarité féminine. Vraiment, un beau dépassement de soi, je pense. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce sport tellement dangereux? Non, c'est pas... Le goût de l'aventure. Oui. Oui, le goût de l'aventure. Quelque chose de nouveau aussi. C'est nouveau pour nous. C'est la première année. C'est la première année. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Non, pas beaucoup d'expérience. C'est pour la première fois que vous êtes au Maroc. Oui, en plus. Quand vous l'avez trouvé un petit peu, climat, accueil. C'est très bien. Oui, très bien. C'est très chaleureux. Très bel accueil. La température, moi, je pensais que c'était pour être... Bonjour. Deux, trois questions, s'il vous plaît. Pourquoi cette aventure est 100% féminine? Ah, alors pourquoi une aventure comme celle-là est 100% féminine? Peut-être parce que la façon dont on navigue et la façon dont on avance, je dirais, ne convient qu'aux femmes. On est hors piste, sans GPS, avec uniquement carte et boussole. Et qui le meilleur moyen de démentir ce qu'on dit sur les femmes et leur manque de sens d'orientation, c'est de prouver que dans la difficulté extrême, il y a a priori que les femmes qui pourraient s'en sortir sans se mettre à pleurer. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce sport tellement dangereux? Des dangers, il y en a dans la vie de tous les jours. C'est une façon de se dépasser. On aime bien l'automobile. Moi, j'aime bien conduire. Dans mon quotidien, j'aime bien conduire. Est-ce votre première participation? Non, moi, c'est mon 10e. Oh, ça. Voilà. Vous présentez, s'il vous plaît. Comment? Vous présentez. Donc, Chris Men, chanteuse. C'est mon 10e rallye Aïcha des Gazelles. Vous habitez ici au Maroc? Non. J'ai une coéquipière marocaine. Eva. Enchantée. Voilà, et c'est notre 3e rallye ensemble. Et Eva, qu'est-ce que tu peux nous ajouter sur le rallye? C'est pas la première fois, non? Moi, c'est la 4e, oui. C'est la 4e. Mais vous trouvez pas que c'est un sport un peu dangereux, non? Non, c'est pas dangereux, franchement, parce que déjà, c'est pas une course de vitesse, donc
En général, on ne va pas très vite et puis on est bien protégé, on a des règles de sécurité. Si on est bien attaché, casqué, tout ça, il n'y a pas de... Pourquoi ce sport est vraiment 100% féminin? Bah, les preuves, c'est ça, hein, c'est qu'il n'y a pas de, raison particulière. En tout cas, c'est une place, une niche peut-être même dans le fait qu'il n'y ait pas de vitesse. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a que les femmes qui choisiraient un rallye parce que le critère de vitesse est complètement laissé. Alors, d'après ce que vous dites, vous donnez un grand avantage à l'homme. Vous dites que... Non, mais y a, les hommes préfèrent les sports de vitesse dans, le, dans la mécanique. Pour eux, s'il n'y a pas de vitesse, ce n'est pas, c'est pas intéressant. Ça n'intéresse pas forcément les hommes. En réalité, c'est plus... Comme c'est très... Finalement, c'est assez cérébral comme activité. On ne va pas dire que les hommes sont bêtes. Mais... Ah non, non, on n'a pas dit ça. Non, okay. On garde ça pour nous. Je vous présente, s'il vous plaît, pour garder... Eva de Vico. Vous habitez où? À Meknès. À Meknès. Enchanté, merci bien. Merci à vous. J'ai vu que ce sport est purement féminin. Lorsque vous tombez en panne, est-ce que vous faites appel à des femmes ou à des hommes? À des hommes. À des hommes. Pas des hommes. Pas des hommes ou des hommes. Ah, si c'est féminin, même le dépannage doit être féminin. Normalement, pas forcément. Il n'y a que des femmes. On a des bases. Des... Oui. Merci. Bien, c'est... Sophie Dubois, équipe 175. France. Canada. Ah, Canada, et vous? Alors, André Faneuf, équipe 175, Canada. Merci, et vous? Manureva Bouglimach, équipe 196, Corse. Vous êtes française, vous? Canadienne, française? Corse. Corse, et vous parlez bien le français? Oh oui, très bien, en Corse, on parle bien le français. C'est votre première participation? Ouais. Comment vous avez trouvé le Maroc et le Jadida en particulier? C'est bien, c'est parfait. C'est parfait. C'est magnifique. Vous êtes pilote ou copilote? Les deux. Yes. Mesdames, Mesdemoiselles, bonjour. Et Monsieur, bonjour. Bien sûr que des hommes pour commencer cette conférence de presse. Et il y a beaucoup d'hommes représentés aujourd'hui. Merci d'être venu ici aujourd'hui pour assister au départ de cette 23e édition. Départ avec les équipages venus des États-Unis, du Canada et bien entendu nos 8 équipages marocains. Installé à Jadida, nous sommes vraiment très fiers et honorés d'accueillir aujourd'hui un événement de prestige, mais qui se veut aussi responsable et engagé, ce qui est pour nous très important, d'associer notre image à des responsables qui ont une vision à long terme au niveau du respect de l'environnement et d'un engagement social qui suit cet événement. Nous souhaitons très sincèrement que ce partenariat soit inscrit dans la durée. C'est la première année, mais nous croyons vraiment au potentiel du rallye Aïcha des Gazelles. Et nous souhaitons accompagner aujourd'hui cet événement, espérons-le, sur plusieurs années à venir. Je remercie aussi Adriana, ma reine de l'événement, qui, par sa présence, illumine le rallye et le resort. Je pense, pour le Maroc, à travers l'image qu'elle donne à l'extérieur, puisqu'il y a 23 nationalités qui sont représentées, par exemple, cette année, Indonésie, Russie, Allemagne, Belgique, Suisse, Congo, Angola, Nigeria, France, bien sûr, Canada, US, ces 23 nationalités ont la chance, la joie et l'honneur de pouvoir porter sur leur gilet les armoiries du royaume. Nous sommes le seul événement au Maroc à avoir cet honneur, puisque Sa Majesté a décidé qu'il en serait ainsi pour
depuis 5 ans déjà et les années à venir. Et à ce titre, nous avons mis en place avec notre association Terre de Gazelle des programmes. Je vais laisser la parole à maintenant et vous présenter à ce titre un nouveau arrivant en tant que partenaire. Et donc, les membres de Saint-Honoré. Saint-Honoré a créé une montre qui est belle, et cette montre est vendue au profit de Terre de Gazelle pour nous aider à monter notre projet stratégiquement, grandissant ce que nous avons sur le marché de la vie. Grâce au rallye Échelle et Gazelle, nous allons voir les populations et nous essayons d'améliorer leur quotidien. C'est un bilan que nous faisons chaque année. Alors, il y a des nouveaux projets et des anciens. Les anciens projets, c'est la caravane médicale qui est toujours un très grand succès. 7000 consultations en 8 jours avec plusieurs spécialités. La gynécologie, la pédiatrie, la médecine générale, l'ophtalmo. On opère la cataracte. Je ne sais pas, vous êtes plus sur le site internet, une jeune femme qui a une cataracte et à qui on l'opère et en moins d'une heure, on lui enlève les bandages et elle voit. C'est assez troublant, c'est pour 150 euros, c'est très peu, mais ça change une vie. Cette caravane médicale, elle est possible uniquement parce que le rallye Échelle et Gazelle nous en donne les moyens. On ne se rend pas compte de l'endroit où nous allons, c'est plusieurs heures de route, uniquement accessible en 4x4, où on est obligé d'aller rencontrer les populations, les nomades aussi, très très loin. Et parfois, quand il y a des cas difficiles, nous sommes obligés de rapatrier sur les hôpitaux à plus de 10-12 heures de route. Jeanne, tous les jours, la volonté du royaume de d'éradiquer ces sacs en plastique. Et puis quand on va très loin, voir les nomades qui marchent de nombreuses heures, à qui on donne des paniers en osier, ils nous disent « Non, nous on veut des sacs qu'on met dans les poches. » Et là, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Donc, toujours avec le gouvernement marocain, on a décidé de faire des sacs en coton. Et en fait, on fait quelque chose d'hyper intéressant. On va dans les écoles. On prêche la bonne parole de l'environnement et des sacs en plastique noir qui polluent l'environnement, qui sont, en plus, je pense que vous le savez, qui sont un véritable problème de santé publique parce que ces sacs sont nocifs pour la santé. Et donc, on va dans les écoles, on fait un cours aux enfants, on leur demande, donc c'est traduit en arabe, bien sûr, on leur demande en combien de temps se dégrade, par exemple, une canette. En combien de temps? Quelqu'un a une idée? Je vais vous faire jouer. En combien de temps? 500 ans? Combien? 700? En effet, 500 ans. 500 ans pour une canette. Les bouteilles en plastique? 1000 ans. 1000 ans. Les fruits et les légumes, 1 an. Et on en arrive au sac en plastique, à votre avis? C'est l'utilisation, c'est une minute. Et c'est 450 ans pour une dégradation. Et donc on leur donne un sac en coton, cœur de gazelle, qui mettra 1 an à 3 ans à se dégrader. En plus, ils peuvent les laver comme des vêtements. Ils peuvent entourer la nourriture à l'intérieur. Et puis, c'est pas nocif. Les chèvres ne vont pas les manger. Voilà. Ça permet et en fait, ce qui est génial, c'est que les directeurs d'école nous disent, quand ils rentrent à la maison, ils en reparlent aux parents, ils arrivent avec des sacs, et enfin, la parole est donnée. Donc c'est la troisième édition, on n'a pas de partenaire, c'est très dur, parce que les sacs en coton, malheureusement, le prix du coton a augmenté. Donc c'est vous, les médias, aujourd'hui, qui allez m'aider à trouver un sponsor. Faites-moi un joli papier. Essayez de trouver, parce que on va quand même, l'année dernière, on a sensibilisé 2500 enfants. Et cette année, on voudrait faire le double.
www.mazagandelf.com. Plusieurs questions dans votre question, je vais chercher d'y répondre. Premièrement, vous avez dit quelque chose qui était. D'abord, il n'y a pas de vitesse. Le critère de classement du rallye, ce n'est pas la vitesse. 100% féminine, parce que si on avait créé une course femme-homme, enfin mixte, on ne parlerait pas des femmes. Le monde de l'automobile est un monde très macho. À partir du moment où vous mélangez les femmes et les hommes, on parlerait des hommes, mais pas des filles. Donc une course 100% féminine permet aux femmes d'avoir leur légitimité et de pouvoir s'exprimer. Certifié, c'est sans problème. Elles adorent les hommes, mais sur mon rallye, les hommes sont là pour les aider, pour faire la cuisine, pour faire la mécanique. Et donc, ça, je peux vous dire que de temps en temps, c'est un peu jouissif, avec plaisir. Donc, on va les aider, bien sûr, et l'aventure passe aussi par le partage et l'échange. Les hommes, les gazelles en ont besoin. Je ne sais pas si... Les critères. Les critères pour participer au rallye, je crois que ça va très vite. Vous avez généralement une fille qui regarde sa copine, sa mère, sa sœur, qui lui dit, je vais dire sa femme, tu veux pas, c'est le gars, il y a un truc extraordinaire, tu veux pas venir faire le rallye. Et là, ça s'enclenche. Et les critères de sélection, psychologiquement, c'est le courage, la détermination, la volonté, l'engagement. Le deuxième critère, c'est le sponsor. Bien entendu, c'est le financement. Et la galère commence, parce qu'on se demande comment elles vont aller chercher les sous. Eh bien, elles vont aller faire des choses que peut-être elles n'ont jamais fait dans leur vie, aller solliciter des entreprises, aller solliciter des sponsors pour trouver l'argent dont elles ont besoin pour participer à l'événement. Voilà. Merci. Je vous en prie. Avec Adriana Carambeu, qui est marraine de cet événement, qui a déjà participé au rallye 2 fois en tant que participante. Et je peux vous dire qu'elle a été traitée de la même manière que toutes les participantes. Et je n'ai jamais entendu ni se plaindre, ni me demander une faveur parce qu'elle s'appelait Adriana Carambeu. Voilà, je la remercie parce que elle est toujours aussi belle, mais toujours aussi gentille et adorable, et elle est une marraine vraiment extraordinaire. Merci Adriana. Merci, c'est grâce à toi que je suis la marraine de cette 23e édition. C'est la deuxième fois que je suis marraine, 2 fois j'ai couru, c'est vrai, et je suis tombée complètement amoureuse de cette course. Pardon. Je pense que le rallye m'a marquée à vie. Je suis aussi tombée amoureuse de ce pays qui accueille le rallye du Maroc. Et maintenant, je vis à moitié, à propre. Mais c'est vrai que cette course, je suis très contente et très fière de pouvoir le promouvoir, ce qu'il mérite vraiment. C'est pas seulement une compétition qui demande d'être très physique et même psychologiquement très, très fort, mais c'est surtout des émotions, des rencontres humaines, des souvenirs qu'on amène, qui nous marquent à vie. Je suis terriblement fière de toutes les femmes qui participent, parce que c'est des femmes courageuses. Elles se préparent souvent depuis des années pour cette course. Elles montrent leur force, elles se découvrent aussi à travers de ces rallyes. Moi, j'ai découvert plein de choses sur moi-même, sur les autres, sur la vie aussi. On trouve des fois des réponses aux questions qu'on n'a pas trouvées ailleurs. C'est une course qui n'est pas égoïste. On a parlé tout à l'heure de la caravane médicale, de l'éco-caravane. C'est une course qui s'intéresse aux autres, à la nature. C'est pour ça, voilà, je suis très très fière. Et je souhaite à toutes les femmes qui sont présentes cette année que du bonheur pour
que ça se passe bien. Pour que la meilleure gagne, évidemment, mais pour moi, elles sont toutes gagnantes. Et voilà, que la route soit belle. Merci. Voilà. Merci. Un petit mot pour notre journal électronique qui vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Adriana Carambeu, je suis la marraine de cette 23e édition de Rallye Achat des Gazelles du Maroc. Je suis très très fière parce que j'adore cette course. Alors c'est une course formidable qui rassemble, je crois, cette année 300 concurrentes du monde entier qui vont traverser le sud marocain avec leur 4x4, leur crossover ou leur quad. Et ils vont vivre des moments inoubliables. Ça, j'en suis sûre. Je suis très très fière d'être marraine. Et puis que la route soit belle. Merci bien, notre journal Mazagan 24 vous souhaite la bienvenue. Merci au Maroc. Merci, c'est gentil.